Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau épisode de Dishonored sur PC Sesulumi. La dernière fois, nous avons fait un petit duel et nous avons gagné. Donc voilà, on va entrer par la porte. Et voilà, on va entrer dans le manoir des Boyle. Maintenant, on va infiltrer puisque nous avons un masque. Puisque c'est un bal masqué. Donc, personne va nous reconnaître. Nous avons essayé d'aller à l'étage, mais le garde est un vrai malotru. J'aurais dû lui apprendre le respect. Cette fête est pitoyable. Allons, allons, il ne fait que son travail. Ce genre de fête attire toujours les importants. Pardon, mais mon cousin est marquis. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Mais les gens sont tous à voir. Tiens, tiens, tiens. Absurde. Voilà, sans qu'il sache, on va lui parler. Vous sentez la rue? Vous ne seriez pas un mendiant? Ta gueule! Je suis plus risqué que toi et je suis assez dangereux que tu ne le crois. Voilà, on peut voir divers objets ici. Mais ce qu'il faut aussi... Je pensais qu'elle ne s'intéressait qu'à sa propre famille. Oh, bonsoir, je suis Ella. Prenez du bon temps, si possible. Si possible. Lydia Waverly Esma, blanc, noir, rouge. Il doit bien y avoir un indice à l'étage. Ok, récolter les informations en parlant des invités, bien sûr, c'est fait. Donc, se faufiler discrètement à l'étage et fouiller. Voyons voir, pour les objectifs. Pouvoir, est-ce qu'on peut avoir des pouvoirs pour le moment? Non. Donc, pour les objectifs, qu'est-ce que nous avons pour assassiner Lady Boyle? Tâche facultative. Retourner en prise, ok, c'est bon. Identifier les costumes portés. Par la cible facultative, se faufiler discrètement. Attends, j'ai fouillé les trois chambres à la recherche d'indices. C'est facultatif, mais bon, on va identifier les costumes portés. Bienvenue donc, au domaine Boyle. On va faire un tour. Tiens, tiens, tiens. Bienvenue à ma fête. C'est votre première fois, il me semble. J'espère que vous savez vous tenir. Lord Brisby vous cherche, apparemment. Où voulez-vous en venir? Et comment le savez-vous? Ces domestiques l'ont répété au mien. Une en blanc, on va chercher les autres. Où elles sont? Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est? Des confettis? J'en ai rien à foutre. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Je vais être aussi galant. Vous devriez l'envisager comme une chance. Une chance. De faire carrière. Tiens, tiens. Va lui parler. Je sais pourquoi vous êtes là. Nous devons parler en privé. D'accord. Parlez alors, Brisby. Ok. Je peux être anglais? Attendez, je vais faire un truc. Comme quoi je suis... J'aime bien voler l'argent, donc on va aller de l'autre côté et lui parler. Je suis un ami de Pendleton et j'ai parfois servi votre cause. Je sais ce qui vous amène ici et, comment dire, votre cible est la femme que j'aime. Je jure que si vous me l'amenez saine et sauve, vous n'entendrez plus jamais parler d'elle. Il y a une cave en contrebas de la cuisine. J'attendrai là. Je ne suis pas fier de moi, mais c'est mieux que de la laisser assassiner. Elle s'appelle Lydia. Je ne lui ferai aucun mal. Vous avez ma parole. Conduisez-la à la cave et je l'emmènerai en lieu sûr. Pour toujours. Eh bien, si je comprends bien, c'est que nous avons deux choix. Soit assassiner Lydia Boyle, soit la laisser vivre. J'aime bien ce que le jeu nous... Il est en train de nous regarder. Bien parlé. Même si j'ignore qui nous pourrions battre dans cet état. Réfléchissez, il ne s'agit pas de gagner la guerre, mais je vais sauvegarder au cas où. Enfin, évaluer. Demandons à la fille de nous apporter à manger. Fascinant. J'informerai le Lord Régent de vos idées dès demain. Attendez. Hop. Servez-vous un verre, Byron. Le bagne de Coldridge ne sert pas de cocktail. De l'argent. Je disais ça comme ils sont assez riches. Assez stupides. Je suis en train de leur voler sous leur nez. Tiens, tiens, tiens. Allez plutôt voir Miss White. Le masque de papillon. Miss White. Le masque de papillon. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que c'est toi? On s'amuse, j'espère. Ah, ça doit être Lady Boyle. Bienvenue au domaine Boyle. Ce
Ce qu'on oublie, c'est que les rats sont arrivés 6 mois avant que l'on perde la... Où sont les autres? Excusez-moi. Vous ne voir pas ici? Vous, un gentleman? Eh bien oui, je me montre aussi galant et courtois que... Ah, Miss White, la voilà. Ce masque va faire scandale. J'apprécie les hommes téméraires. Apportez-moi un verre. Vous serez gentil. On doit lui apporter un verre. Où est-ce que c'est ce verre? Personne d'autre n'a les reins assez souples. Ah. Notre avenir est en lui. Certains prospéreront, oui. Surtout les Boyle. Oui, oui. Voilà, je pense bien que nous l'avons. Leurs terres sont riches en cristaux. Nous avons ce qu'il faut. Voilà. Mille fois merci. Comment puis-je vous remercier? Vous jouerez aux devinettes de Lady Boyle? Bien sûr. Je peux vous dire que Waverly est en blanc ce soir. Elle essaie peut-être de passer pour une vierge. Quant à Lydia, elle est en noir. Il est occupé. Ok, Lydia. Lydia est en noir. Ah tiens. Oula, arrêtez ça. D'accord. Lydia. Ah la voilà, elle est en noir, Lydia Boyle. On va lui parler. Oui. Joli masque. Je devrais aller vous chercher un verre. Un verre? Pourquoi donc? Nous pourrons peut-être discuter dans la salle de musique. Je sais pas si c'est le bon choix ou pas. Je vais voir. Sans chaperon? Vous promettez de bien vous tenir? Allons à la salle de musique. Nous avons un superbe clavecin d'époque. Vous en jouez? L'arrivée des rats a été une véritable aubaine pour nous. Je suis très loin de m'en réjouir. Il est en rouge. Quelques verres et ce masque deviendra drôle. Dans la salle de musique, voyons voir. Qu'est-ce qui va y arriver dans la salle de musique? J'aimerais bien en finir avec cette quête parce que il me semble bien qu'il y a des amis qui m'ont indiqué que ça devait être un petit peu ennuyeuse. En ce qui concerne... Nous y voilà. Alors, qu'aimeriez-vous faire? Vous ne dites rien? Eh bien, en voilà des mystères sous ce masque. Je voudrais bien l'assassiner, mais je voudrais bien utiliser l'autre fin. Soit on utilise la méthode chaotique... C'est beaucoup moins intéressant que je ne pensais. Je crois que je vais vous laisser. Est-ce qu'on va utiliser la méthode létale ou pas? Je suis pas vraiment... Vous vous rappelez tout le monde, n'est-ce pas? Je sais pas que si c'est le bon choix. Qui a pu l'inviter? Cette couleur va-t-elle J'espère à mon bien temps? Que ce n'est pas Madame Grimsley. Le masque affreux. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit? J'en ai jamais douté. Tout se passe pour le mieux? Ah tiens, c'est ma chance. Je peux l'assassiner ici. Voilà. J'espère qu'il y aura personne qui va nous ennuyer. Tiens, un levier. Tiens, il y a pas mal de choses à faire ici, je pense. Ah, tiens, voilà. Elle est là. Dépêchez, faites-la monter. Enfin, mon amour. J'espère que t'es pas un vrai pervers, toi. Vous avez fait de moi le plus heureux des hommes. Un jour, elle apprendra à m'aimer. Elle a toute la vie devant elle, après tout. Bon voyage. Voilà, j'espère bien que nous avons éliminé Boyle, Lady Boyle. Ouh, c'est une porte blindée. Ok. Voilà, cible neutralisée. C'est déjà bien. J'espère
J'espère qu'on va les éliminer. Juste tout ça pour ça. C'est mieux que rien. Donc, il ne reste plus rien à faire ici, donc je pense bien que je vais retourner à l'intérieur. Et je vais essayer de choper pas mal de choses. Ouh, une potion. S'il y a d'autres la fête à prendre. Ah oui, la fête, elle me plaît. Je vais fermer ça, histoire de ne pas se faire remarquer. Il y a un livre, blablabla. Ça doit être l'armoire. Je suis désolé que je vais vous piquer tout ça. Toutes vos pièces. Ok. Il n'y a plus rien à faire ici. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Il n'y a rien. Bon. Je vais essayer de me faufiler à l'intérieur ici. Je suis vraiment très intrigué par l'autre étage. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vous êtes entre deux dans une zone dont l'accès est interdit. La ville pourrait-elle être dans un pire état? Oui, bien sûr. Voilà. Je vais retourner ici. Il n'y a personne. Tiens. Normalement, on devrait aller voir Samuel. Et avant toute chose, je vais essayer de récupérer Max. Tellement ici. On peut boire ici. Est-ce qu'il y a quelque chose de très intéressant ici? J'espère bien. Il y a un journal de Desma Boyle. Voilà, non, il n'y a rien. Jusqu'à maintenant, je pense bien que nous avons... Oh, pas mal. Je vais fermer ça. Je pense que jusqu'à maintenant, je me suis infiltré avec délicatesse. Oh, faut pas jouer avec ça. Tiens. Je vais aller par là. Allons-y à l'intérieur. Heureusement que j'ai la capacité... que j'ai acheté des qui dissimulent les pas quand je cours. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Ouh, de l'argent, ça fait toujours du bien. Ouais, mais combien j'ai de pièces? Ah, assez aussi pour le moment. Est-ce qu'il n'y a personne? Il n'y a personne. Voilà. On va explorer un petit peu. Tiens, qu'est-ce que c'était avant? Je vais fermer ça. Puis quoi d'autre? Ouh, la clé de la chambre Waverly. Et quoi d'autre? Ouh, toujours des pièces d'or, c'est... ça fait toujours du bien. Quoi d'autre? Je pense que j'ai loupé quelque chose, je le sens très bien. Mais vraiment, je sens que j'ai loupé quelque chose de très intéressant. Je vais retourner en arrière. Histoire d'être vraiment sûr. Voilà, je vais fermer ça. Il y a quoi d'autre ici qu'on peut récupérer? Il n'y a rien d'autre. Ok, voyons voir. L'accès des étages est interdit, je le sais très bien. Je vais retourner. Voilà, j'espère bien qu'il n'y aura pas de garde. Voilà. Avancez. Voilà, vous pouvez passer, monsieur. Wow. Wow.
Vous savez quoi? Je vais vous apprendre. Ça vous apprendra à jouer avec nous. Les oraculaires vont bientôt faire une déclaration concernant la peste. Toujours discrétion. J'aime beaucoup cette marque. Tiens, qu'est-ce qu'il y a par là? Y a rien d'autre. Des confettis qui sortent partout. Ok, je pense bien que... Ah, tiens. Hop. Lord Brisby est arrivé. Fabuleux. Personne ne me voit. Je chope. Je chope tout ce qui est bon. Voilà, qu'est-ce qu'il y a par ici? La chambre de Waverly, elle se trouve où déjà? Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Je vais essayer un autre truc. La fête vous plaît? Ouais, jusqu'à maintenant. Je suis en train de me faufiler comme je veux. Voilà, je vais fermer la porte derrière moi. Ok. Voilà, j'espère qu'il n'y a personne ici. Et il n'y a personne. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Rien d'intéressant. Je vais fermer la porte, histoire d'être vraiment sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Tiens, par ici, l'île de Serkonos. Je sais pas si ça va nous servir à grand-chose, mais je vais préférer la discrétion. Tiens. Ouh, 300 pièces! Génial. Je vais sauvegarder et je vais prendre ça aussi, l'œuf de Boyle. Ouh, il y a un garde ici. Ouh, il y a trois gardes. Est-ce que je tente de les éliminer ou pas? On va voir si Marcy peut pas nous monter des infos. Un pichet de bière aussi. T'as qu'à y aller, toi. Demande du whisky tant que tu y es. Et personne ne nous a vus. Il n'y a pas d'autres gardes, j'espère. J'espère que non. Il y a pas mal de choses à récupérer ici. On va y voir de l'autre côté. Ah, c'est par là que nous avons éliminé les autres gardes, mais bon. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Je vais toujours utiliser la vision de nuit, histoire d'être vraiment, vraiment sûr. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas ici? Tiens. Tiens, un rat. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Ah. La clé du coffre du sous-sol. Voilà, ma chère Lydia. Et un journal de Lady Boyle. Indice sur la mission. C'est déjà bien. Jusqu'à maintenant, je crois bien que la mission d'infiltration est assez bonne. Oh, des pièces. On va voir, qu'est-ce que c'est? Ouh, 300 pièces. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il faut vraiment... Ouh, de l'argent partout.
qu'il faut bien. Oh, voilà, il n'y a personne. On va ouvrir. Ouh. Passe-partout de Dunwall Tower. Oh, ça va être énorme. Je pense. Bien, je l'espère. Ah, nous l'avons déjà ouvert, donc... nous en avons fini avec cette section. Est-ce qu'il y a quelqu'un pas ici qui va... Voilà. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Ah, tiens. Cigarette de bois, 150 pièces. Oh, des toilettes, je veux pas. Ok, je pense bien que nous en avons fini ici. Voilà, je vais juste sauvegarder histoire d'être vraiment sûr. Ah, ils sont tous en bas. Je vois. Histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de gardes qui font la ronde. Je vais essayer de casser tout ça. Et voir la réaction. J'aurais pas dû. Ok. Je vais retourner d'où je suis venu, donc... pas être découvert. Donc, ah oui, je vais prendre ça. C'est pour cela que je l'ai laissé. Aller au balcon du jardin. Non, rester dans ma chambre. Dans la chambre. Je vais essayer de retourner au sous-sol parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose de très intéressant. Bien qu'il ne va pas y avoir de garde qui va nous ennuyer et nous embêter. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée. On va utiliser un tranquillisant. Ok. Je n'aurais pas dû aussi. Voilà, j'aurais dû. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller rapidement. Utiliser. Ça. Et puis prendre ça. Je vais essayer tout de même de rester très discret. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser. Je vais sauvegarder rapidement ici. Voilà. Je vais la déposer ici. Voilà. Maintenant, on peut continuer notre progression sans être... Voilà. Ouf. Il y a eu du sang ici, mais bon, c'est pas grave. Je pense bien qu'on peut descendre par là. J'espère bien que c'est le bon chemin. Clé du sous-sol. Maintenant que nous avons la clé, j'espère bien qu'on va pouvoir déverrouiller ça. Ah, génial. Qu'est-ce qu'on va trouver ici?
Et on trouve une rune. Plein de trésors. La 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 la. Qui t'a demandé de sortir ton arme? Voilà. Interrupteur sécurisé de la porte. Je vais voir ce que ça fait. Ah oui, je vois. Merci. Maintenant, je pense bien que faut sortir d'ici. Et on va aller vers les égouts pour sortir de cet endroit. Ouf! J'espère bien que je n'ai rien laissé derrière, malgré que je sais qu'il y a pas mal de choses que j'ai récupérées en chemin. Toujours du chargement dans l'écran. Nous avons fait du bon boulot et maintenant il faut s'échapper et retrouver Samuel. Oh, je suis trop content d'avoir ramassé plein d'objets. Regarde. Attendez. Voyons voir mon inventaire. Wow, 4000 pièces. On va ouvrir ça. Et on va sortir d'ici. Oh, attention. Attention, on peut se faire repérer. Mince, alors ils ont fermé. Voilà, le bateau Samuel a été déplacé. Donc je pense bien que je vais prendre l'autre bout de chemin. Attention, ils vont me mordre. Wow. Faut que je me soigne. Voilà. Maintenant, la question elle-même, comment retourner sans être vu? Eh bien, la réponse c'est qu'on va devoir les contourner. Parce que s'ils nous repèrent, ça va être vraiment, vraiment très, très, très mauvais pour nous. On va courir. Ils vont pas nous entendre, ça c'est sûr. Ouh, waouh. Il y a plein de rats. J'espère bien qu'on va pas attirer leurs attentions. Et je vais aller de ce côté. Vous avez vu le nombre des rats. Mais c'était juste seul. Tout simplement énorme. Ok. Sauvegarde ici obligé. Attention à ne pas se faire repérer. Toujours dans le même cadre. Voilà. Et je vais me déplacer ici. Est-ce qu'il nous a repéré? Non. Jusqu'à maintenant, non. Waouh. Ok, et la campée là-bas. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Voilà. Ouh, allez Samuel. J'espère que la soirée vous a plu, mais c'est l'heure de rentrer. Je suis très content que tu me l'aies proposé. Allons-y, je veux plus rester ici. J'ai pris le long chemin. Donc nous avons fait du bon pour nous. Nous avons trouvé toutes les runes, toutes les charmes d'os, les hôtels de l'outsider, le tableau de Sokolov 2 sur 2, nous avons ramassé pas mal d'argent, et c'est bien. Allez, on va continuer, et je pense mieux qu'on arrive bientôt vers la fin de l'épisode. Je voudrais pas vraiment
arranger la durée. Je sais très bien que le jeu est assez long. Mais bon. On va retourner chez nous. Pour une fois. Pour une fois, je vous le dis. Lord Pendleton a dit qu'il nous retrouverait ici. Il faudrait aller voir à la cave. Perdre sa famille, ça peut donner soif. Et c'est lui le froussard qui m'a envoyé faire le duel à sa place. Mais bon, c'était rigolo. C'était assez rigolo à voir quand même. Et on enlève le masque. Fini le bal. Donc voilà. Première des choses qu'on va faire, Lord Pendleton, avant toute chose, je vais aller parler à Piero. Pour voir si on peut faire des améliorations. Voilà. Piero. Vous voulez que je fabrique quelque chose pour vous? Je peux tout faire, enfin presque. Fabrique-moi un pistolet laser. Voilà. Pour les anesthésiants, bien, je voudrais bien les appeler des tranquillisants. Je viens d'acheter pas mal. Jusqu'à 10. Ok, pour les améliorations, qu'est-ce qu'on peut acheter? Réserve de coureurs. Des coureurs normaux. Donc, je pense pas que ça nous serait très utile. Réserve de spirale, réserve de grenade. Pour les achats, je pense bien que je vais m'acheter. Non. Donc, pour les améliorations, il n'y a plus d'autres solutions. Je pense bien que je vais m'acheter des réserves de balles. Améliore la pistolet de corbeau. Ah oui. Je vais me le prendre. Tiens, tiens. Rechargement de pistolet. Ok. 300 pièces, c'est déjà pas mal. Je vais m'en acheter. Encore une fois, chargeur de pistolet. Précision du pistolet. C'est ajouté. Et j'ai encore plus de pièces. Ok. Précision du pistolet. Oui, bien sûr. Rechargement de pistolet, bien sûr aussi. Chargeur de pistolet, également. Chargeur de pistolet numéro 2. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, je suis preneur. Voilà, et nous avons vidé toutes nos réserves d'argent. Voilà. Je vais aller parler avec Lord Pendleton. Voir ce qu'il veut. Voilà. Bien joué. Nous nous sommes débarrassés d'une femme et une noble de surcroît. Cette Boyle était une vipère. Elle a aidé le Lord Régent à tuer l'impératrice. Je n'ai donc aucun regret. Pour ma part, j'ai entendu que vous aviez défendu mon nom d'une façon plutôt spectaculaire et en prenant des risques. Je tiens à vous remercier. Ce petit objet a aidé ma famille depuis des générations. Mais je crois qu'il vous sera bien plus utile qu'à moi. Alors, prenez-le. La nuit a été longue pour vous, Corvo. Mais elle n'est pas encore finie. Avlok et Martin vous ont déjà préparé autre chose. Ils veulent vous voir tout de suite, dans les quartiers d'Avlok, au-dessus du bar. D'accord. Et nous avons obtenu une rune... Une rune baby. Yeah. Vous avez bien profité de l'hospitalité des Boyle. Ouais. Tiens, lettre de messager. On masquait cette lettre est à votre attention. Vos actions ne sont pas passées inaperçues. Il y a un paquet près de votre lit. Ainsi qu'une lettre de la part de quelqu'un qui voulait qu'elle vous prévienne. Un humble soldat. Donc je pense mieux que je vais remonter à ma chambre. C'est déjà par où? Voilà, c'est par là. Je remonte à ma chambre, prendre une sieste, et je pense bien que je vais en finir avec ce épisode. Ce fut un épisode vraiment très, très, très intéressant. Ah tiens, j'entends une rune. Quoi? Une rune. Qui que vous soyez, je dois vous remercier pour avoir au moins épargné la blabla. On va dire vite que quelqu'un nous a... Remercier. Donc, je pense bien que je vais m'arrêter là et je vais vous revoir dans le prochain épisode. Nous avons... On peut faire des améliorations. Nous avons 5 runes. Mais bon, on va laisser pour le prochain épisode. Sur cela, je vais vous dire au revoir et...
À bientôt.